Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Jean de La Fontaine. Et voici maintenant Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une aude pure. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vasse, désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née, reprit l'agneau. Je tète encore ma maman. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Mon coup de cœur aujourd'hui est Claude Brodin. Claude Brodin est né le 10 janvier 1946, a fait des études universitaires, licence en droit à Lyon, puis juriste et conseil en droit social. Jusqu'à sa retraite, il réside à Nantes. Il écrit depuis 2010, mais c'est au service militaire qu'il a découvert le mouvement littéraire et artistique, dans les années 50. Et voici maintenant. Mon aurore est papillon, ses ailes de lumière se répandent légères, le vent est timide, butinant une fleur sucrée, doux nectar, allant et venant, tel un amour d'amant. Papillon, chasseur d'éphémères, tournant au gré du vent, attire les couleurs, les soies, les soleils, les chants d'antan. Courtisan doux, de mon âme impie, papillons me volent mes sourires, chassent mes chimères, songe d'un instant. Mon aurore et rêve papillon, couleur d'une saison, si douce à mon cœur, j'en ris les matins, te tenant la main, tendrement sans un mot. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.